Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, tapis noir, vous vous souvenez? Tapis noir, ça veut dire high-tech, nouveauté, on n'est pas dans le drone aujourd'hui. Oui, je vous en avais parlé. Aujourd'hui, je vais tester avec vous les wireless Airphone TWS X9 Plus de chez Muesli. Alors, on peut les trouver en plusieurs marques, bien sûr. Donc, des petites oreillettes dont je vous avais parlé rapidement dans la dernière vidéo, qui font un truc en plus qui est assez sympa. On va tout de suite voir ça, bien sûr. Alors, on les a déjà vus sur YouTube, hein. Moi, je les ai vus également sur YouTube. C'est aussi ce qui m'a donné envie de les tester. Donc là, on n'est pas avec Banggood, vous verrez, c'est un partenaire qui travaille sur Amazon. Donc, le lien qui sera dans la description sera un lien amazon.fr, donc bien sûr livraison rapide, et évidemment j'ai réussi à vous choper un petit coupon, donc voilà, vous aurez un coupon de 15% de réduction en plus sur ces petites oreillettes dans la description. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc, premièrement, wireless single enhanced. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des oreillettes stéréo, bien sûr, pour écouter la musique en stéréo, pour pouvoir passer des appels également en stéréo. Mais elles sont monorales, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ne prendre qu'une oreillette et vous pouvez connecter une oreillette à un téléphone, à un smartphone, et la seconde oreillette à un autre smartphone, tout simplement. Elles sont pas obligatoirement obligées d'être connectées l'une à l'autre, donc les deux sont complètement indépendantes. On a un micro, bien sûr, donc ce qui nous dit que c'est également possible de répondre au téléphone et de parler. C'est pas juste un casque audio. 3 heures de musique, donc ça c'est l'autonomie des oreillettes seules. Alors on va en parler de l'autonomie, à mon avis c'est le kit parfait pour partir en vacances, ça c'est clair et net. Smart Touch, c'est parce qu'il n'y a pas de bouton apparent dessus, c'est un bouton tactile, donc vous n'aurez pas besoin d'appuyer comme certaines oreillettes où on a un bouton, faut appuyer dessus, faut appuyer en même temps dans l'oreille, et vous finissez par vous rentrer l'oreillette dans le cerveau. Bref, il n'y a pas de bouton, c'est juste tactile. Comfortable Fit, donc bah, c'est que c'est confortable, alors après ça va dépendre de ce que vous aimez, il y a différents systèmes d'insertion dans les oreilles. Là, c'est juste le petit bout en caoutchouc, vous savez, qui va rentrer dans le canal auditif. Et elles sont très légères, donc elles tiennent parfaitement bien. Et on a 3 adaptateurs, je vous montrerai après. True Wireless. Pourquoi True Wireless? C'est parce que, oui, c'est du sans fil, bien sûr. Donc, sans fil des oreillettes à l'appareil. Donc, le Bluetooth, c'est du 5.0. Mais wireless aussi, parce que les oreillettes ne sont pas non plus reliées par un fil. Donc, du True Wireless. 3000 mAh Charging Case. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte, en fait, de vos oreillettes est aussi une batterie. Qui peut vous permettre de recharger. Alors combien de fois on va pouvoir recharger les oreillettes? Environ 40-45 fois. Ça veut dire que si vous comptez 3 heures d'autonomie pour les oreillettes et que vous pouvez recharger 45 fois, ça vous donne grosso modo 140 heures d'autonomie si vous partez avec la boîte et les oreillettes. Donc c'est pour ça que je vous disais, partir en vacances, ben pourquoi pas, vous n'aurez pas besoin de recharger votre boîtier pendant toutes les vacances, sauf si vous partez 6 mois, bien sûr, au bout d'un moment il va peut-être falloir. Mais pas que, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir recharger son téléphone, bon, peut-être pas une charge complète, mais au moins on va pouvoir maintenir la charge d'un téléphone pendant qu'on utilise les oreillettes, tout simplement, même si on ne les utilise pas, on va pouvoir recharger son téléphone sur notre petite boîte d'oreillettes, tout simplement. Et ça, c'est ce que je trouve le plus sympa, parce qu'il y a un USB pour pouvoir brancher son téléphone. Donc je trouve ça génial. Voilà, ça vous fait une petite banque de recharge en plus du boîtier d'oreillette. Et CVC, bah CVC c'est l'atténuateur de son. Vous savez, comme on avait vu sur le casque Mixeder que je vous avais présenté. Donc ça atténue le son en actif, pas juste en passif. Vous savez que le passif, c'est le fait d'avoir l'oreillette dans l'oreille. C'est l'étanchéité, en fait, par rapport à votre canal auditif. Donc déjà, on va avoir cette étanchéité passive, ce réducteur de bruit passif, mais on va avoir aussi un réducteur de bruit actif. Alors là, je ne l'ai pas vraiment trouvé, mais c'est vrai qu'une fois que la musique est en route, ben on se retrouve un peu plus étanche au bruit extérieur qu'avec une paire d'oreillettes classique. Voilà, moi j'ai testé 3 paires d'oreillettes différentes, je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi, enfin dans une autre vidéo, mais là, on est un petit peu plus étanche avec ces oreillettes-là. Alors c'est pas un truc qu'on active, c'est automatique, donc on ne se rend pas compte du avec ou sans. C'est un petit peu déplorable, mais bon, pour le test, c'est pas évident en tout cas. Bref, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? On a un beau petit emballage.
c'est pas juste une vieille boîte en carton où on va pouvoir trouver bien sûr la boîte des oreillettes que j'ai déjà sortie. On va avoir un joli petit sac ici, bonne qualité, bien épais, pour pouvoir transbahuter sa petite boîte en extérieur. Pourquoi pas, ça évite les casses et les chocs. On aura également une autre boîte dans la boîte avec donc un câble USB, micro USB cette fois-ci pour recharger votre boîtier. Et ici, je vous ai dit, trois paires de petits embouts en fonction de la taille de votre canal auditif. Donc là, à vous de tester. Si vous trouvez, vous avez du plus petit au plus gros. Donc si vous n'êtes pas à l'aise ou que l'oreillette ne tient pas bien, c'est ce petit embout qu'il faudra changer sur votre oreillette, tout simplement. Vous connaissez le principe, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais c'est important. C'est ce qui fait non seulement la tenue dans l'oreille, mais c'est aussi ce qui fait l'étanchéité et le fait d'avoir un meilleur ou moins bon son, tout simplement. Plus on est étanche à l'extérieur, plus le son est bon, forcément. Et une petite notice où on va avoir, évidemment, une version française, page 15. Voilà, donc qui vous explique tout justement pour les petits embouts à changer et qui vous explique, qui vous montre où est le micro, etc. Et les différentes fonctions que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, que je vous les présente, voici donc notre petite boîte Muesli. Alors, un peu plus grosse que des petites boîtes, je vais vous mettre une boîte à côté. Donc ça, c'est le style de boîte des AirPods. On va les mettre l'une à côté de l'autre. Et, mais c'est pas une boîte de AirPods, hein, c'est le style de boîte. Et un petit boîtier, de base, pour des oreillettes. Donc vous voyez la différence de boîtier à côté. Celle-ci, je vous en parlerai bientôt aussi. Donc pas autant de fonctions, mais un design différent qui permet de s'adapter à une autre catégorie d'oreilles. Pour ceux qui n'aiment pas avoir juste le enfoncé dans l'oreille, vous verrez, c'est différent. Donc la petite boîte Muesli, la voici. Donc on voit tout de suite la prise USB en façade, ici sur l'avant, donc qui va vous permettre de mettre votre téléphone en charge. Et ici, le micro USB pour recharger la boîte, hein, tout simplement. Donc il faut à peu près une heure pour recharger la boîte au complet, une heure et demie. Et pareil, pour recharger complètement les oreillettes, il vous faudra à peu près une heure aussi. Nous ouvrons cette petite boîte. Donc là, il n'y a pas d'aimant, c'est un petit clip ici qui va permettre de fermer le couvercle. Alors le couvercle, je sais pas s'il va durer super longtemps. On a un petit couvercle translucide ici, noir transparent, plutôt propre, hein, il n'y a pas de problème. Après l'articulation, j'ai envie de dire, prenez-en soin quand même. Bon, une fois fermé, ça craint pas, mais faites attention de ne pas choquer une fois ouvert, parce que j'ai peur que ce soit pas non plus super résistant. Sinon, on voit que c'est quand même du bon matériel, franchement c'est propre. On a une belle finition et un ensemble bah, plutôt convaincant, ma foi. Je vous dis, hein, j'en ai testé d'autres, hein, des trucs à pas cher du tout. Et franchement, on comprend pourquoi c'est pas cher. Voilà, je ne m'en sers pas. Il y a déjà une qui marche plus. Enfin bref, faut pas acheter ça. Je vous le dirai, ce qu'il faut pas acheter. Si ça coûte 7 euros, n'achetez pas. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre 50 balles non plus. Bref, ensuite, voici donc les deux petites oreillettes qu'on découvre ici, un petit cerclage vert qui ne s'allume pas, le cerclage n'est pas lumineux, et trois témoins lumineux ici, hop, je vais en soulever une pour qu'on voit apparaître les trois témoins, donc ce sont les trois témoins de charge, hop, et le témoin rouge sur les oreillettes, c'est simplement le témoin qui vous montre qu'elles sont en charge, donc on voit en transparence aussi dans la boîte. Donc un support aimanté, vous voyez, si je retire l'oreillette ici, on voit qu'on a deux petits tétons, je vous mets bien à la lumière ici, pour venir faire contact avec les oreillettes. Et même si je mets la boîte à l'envers, ici, je vais placer mon oreillette dans la boîte. Tac. Et automatiquement, elle est rangée. Donc aimanté, franchement, ça se met tout seul. Tac. Et vous pouvez y aller, c'est bien aimanté. Les oreillettes ne sortent pas comme ça de la boîte. On peut secouer, ça tient bien. Donc c'est parti pour la mise en route. Bah écoutez, c'est super simple. Première chose à faire, activer le Bluetooth sur votre smartphone, bien sûr. Donc moi, là, c'est activé. À la première connexion, bien sûr, sortez les deux oreillettes. Et on aura le X9 Plus automatiquement qui apparaîtra si vous sortez les deux oreillettes. Si vous en sortez qu'une, genre la droite, vous aurez le X9 Plus Right. Si vous sortez la gauche, vous aurez le X9 Plus Left. Voilà, ça c'est ce qui vous permettra de connecter une oreillette à un smartphone et l'autre à un autre smartphone. Donc pour faire ça, c'est simple, vous en sortez qu'une, vous connectez, vous la reliez avec le X9 Plus Right par exemple, avec un smartphone. Une fois que c'est fait, vous remettez l'oreillette dans sa boîte, elle va s'éteindre, vous sortez la deuxième oreillette et vous la connectez à un autre smartphone, tout simplement.
et après elles seront automatiquement reconnues par les différents smartphones. Sinon, pour la première fois, dès que vous allez sortir les oreillettes de la boîte, automatiquement elles vont se mettre en appairage toutes les deux, donc vous les installez, voilà, et on va être connecté. Alors là, je vais parler, alors c'est vrai que ça m'atténue un petit peu le bruit, bizarrement. Même s'il n'y a pas encore le son, là j'ai un son beaucoup plus sourd quand je vous parle. C'est pas évident d'ailleurs de gérer la puissance du son. Et là on voit qu'on est connecté directement au X9 Plus. Donc là il n'y a pas de right, il n'y a pas de left, puisque c'est la paire directement. Alors au niveau qualité de son, je vais en retirer une parce que j'ai du mal à parler. Au niveau qualité du son, vous n'aurez pas du hi-fi. Hein, du très haute fidélité. Les amateurs de bons sons, franchement, c'est pas ce genre de choses qu'il faut acheter, ça c'est clair. Par contre, vous avez un son, mais plus que correct, et la particularité sur ces oreillettes, c'est la puissance du son. Pour l'instant, celles que j'ai testées, ce sont les plus puissantes. Les autres s'arrêtent environ à 80% de la puissance de celles-là, et on n'a pas énormément de distorsion. Bien sûr, quand on est à fond, on va avoir une légère distorsion. Mais franchement, à fond, moi j'aime bien la musique assez forte, et franchement, à fond, je supporte pas. Voilà, moi je trouve ça trop fort quand c'est à fond. Mais par contre, vous avez donc une grande plage au niveau du volume, et c'est ce qui me manque un petit peu sur d'autres oreillettes où je suis pratiquement tout le temps à fond, et des fois j'ai pas un rendu excellent quoi au niveau de la puissance. Donc là, très très bonne puissance, c'est sûr, au niveau du volume sonore, il n'y a pas de souci. Au niveau du rendu des basses, je suis assez content, on a un bon son, en règle générale, je vous ai dit, hein, c'est pas du hi-fi, voilà, qu'on ne compare pas à un casque, à un gros casque hi-fi, il n'y a aucune comparaison possible, ça reste de l'oreillette, bien sûr, mais par contre, pour l'instant, c'est une des meilleures qualités que j'ai pu tester. Alors, j'ai pas testé les AirPods, j'ai pas testé, mais j'ai testé trois paires d'oreillettes différentes dans les mêmes ordres de prix, et pour l'instant, ce sont les meilleures, il n'y a pas de souci. Au niveau du décalage du son, bah écoutez, ça va être simple. Je vais lancer une vidéo. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Pour pas être embêté au niveau des droits, je pense que je vais prendre une vidéo à moi. Donc voilà ce que ça donne. Vous savez, hein, que ce soit le récepteur, le VTX, tout ça, c'est des choses qui émettent des ondes. Et en plus, le câble d'alimentation qui passe à côté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bah, y a pas beaucoup de décalage. Ah, faut que je baisse là du coup. Donc très peu de décalage, on peut très bien regarder un film sur son smartphone avec ce genre d'oreillette. Il n'y a pas un gros décalage comme sur certaines que j'ai déjà eues. Donc ça, c'est le Bluetooth 5.0. Ça fonctionne plutôt correctement. Sinon, au niveau des fonctions, je vais vous montrer comment ça marche. On va aller dans la playlist. On va lancer peu importe le titre. Allez, un que j'aime bien. Donc là, c'est parti, j'ai le son. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement faire pause. Juste avec une touche en tactile, vous voyez, je suis sur pause. Je rappuie un coup, ça relance la lecture, tout simplement. Si j'appuie deux fois, et j'ai un petit clouc-clouc dans l'oreillette dès que j'y touche, j'avance à la session d'après. Donc je ravance encore d'un cran, champlons. Si j'appuie deux fois à gauche, hop, encore deux fois à gauche, je reviens à celle d'avant. Et on peut également monter et descendre le volume. Donc là, juste en maintenant, je parle un peu fort peut-être, juste en maintenant le bouton, ici, vous voyez, j'augmente le volume. Je ne sais pas si vous aurez un rendu dans le micro. Très dur de vous dire, de vous montrer comment ça marche. Alors là, ben, je m'entends plus du tout. Je ne sais même pas ce que je suis en train de vous dire. Ça se trouve, je vous raconte une histoire cochonne, non? Non, je m'entends pas. En fait, je parle. Si je tape sur la table, j'entends pas non plus. Donc, je vais baisser. Je maintiens l'oreillette de gauche. Voilà, je baisse le son. Ah. Yeah, ça va mieux. Allez, je fais pause. Juste un coup. C'est vraiment ce petit clouc qu'on entend dans l'oreillette dès qu'on appuie. Donc ça, c'est pour naviguer. Donc pareil, ça fonctionne également avec les vidéos, hein, bien sûr. Vous faites pause, vous relancez, vous passez à la vidéo suivante ou la précédente. Si vous avez un appel, juste un appui simple pour répondre à l'appel, ou vous maintenez l'oreillette si vous voulez raccrocher, ne pas répondre à l'appel tout simplement. Donc voilà toutes les petites fonctions auxquelles on a accès
directement par ce petit tactile. Donc franchement, je les trouve super bien finis, très légères. On les sent à peine. Donc voilà ce que ça donne hein, dans mon oreille. C'est assez discret. Bon, même si j'ai des grandes oreilles. C'est assez discret. Ça tient vraiment bien. Donc là, je vais pas trop secouer parce que je vais aller avoir l'air stupide. Ça y est déjà? Bon, bah ok, tant pis pour moi. Alors franchement, voilà, vous les remettez dans la boîte, elles s'éteignent, vous les sortez, elles s'allument, il n'y a pas besoin de maintenir appuyé ou quoi que ce soit. Et elles se connectent automatiquement au dernier appareil qui était connecté, bien sûr. Mais voilà, le gros plus de ces oreillettes, c'est quoi? C'est justement cette station de charge ici qui va vous permettre de recharger votre téléphone. Je vais vous le prouver quand même qu'on ne dise pas que je suis un mytho. Donc vous voyez, hop. Je le branche sur ma petite boîte, puis dans mon téléphone, tac, tout, et c'est parti, il est en charge, donc ça fonctionne, pas de souci. Après, je vous ai dit, voilà, moi, ma batterie doit faire 4000 et quelques mAh, vous ne ferez pas, peut-être pas une recharge complète sur votre smartphone, mais en attendant, ça permet de le maintenir en route, si vous voyagez ou autre, ou s'il vous manque un petit peu de jus, ou de dépanner quelqu'un, pourquoi pas. Donc 3000 mAh avec les petits testeurs ici, les petits témoins. Voilà, c'est ce que je trouve top sur ce petit kit d'oreillettes. C'est pas simplement une boîte avec des oreillettes. Donc ben voilà, pour ma petite revue en ce qui concerne les petites Muesli, les TWS X9 Plus. Franchement, j'en suis content. Faut que je les cache, sinon ma fille me les chourre. Bon, sérieusement, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu des vidéos habituelles. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai envie de partager ce que j'aime. Je suis pas pro RC, même si j'adore ça, même si c'est ma passion. J'ai envie de partager ce que j'aime. Et moi, le high-tech, j'aime bien. Donc, s'il y a un intérêt à vous parler de quelque chose, eh bien, je le ferai. Voilà, sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Pensez que très bientôt, il va y avoir le concours pour gagner le Hobbymate Astéroïde en association avec mon cher David Zouari de Culture FPV. On vous prépare ça pour très bientôt parce que mon anniversaire, c'est le 16 mai. Et je pense que je vous ferai bien un beau petit cadeau pour mon anniversaire. Et ouais, on inverse les rôles cette fois-ci. Allez, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!